J'espère que vous allez bien. Merci, merci, merci infiniment pour vos commentaires. Merci pour vos beaux mots. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous suivre et de répondre à vos questions. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur 50. La question est, est-ce que vous souhaiteriez reprendre possession de vos sens et de votre plaisir? Moi, personnellement, je considère que le plaisir ne sera jamais assez présent dans ma vie. Il y aura toujours une place pour plus, pour davantage de plaisir. Fait qu'importe le plaisir, il passe d'abord et avant tout par l'expérience de l'un ou de plusieurs de nos sens, qu'ils soient physiques ou psychiques. On va les découvrir, je vais vous en parler au fil des vidéos, dans les 50 vidéos, on va les découvrir. Fait que le tout, c'est d'en prendre conscience le plus possible. Ça se peut qu'il y a certaines expériences que vous avez vécues qui ont été désagréables et que depuis ce temps-là, vous vous refusez à un certain plaisir à cause de ça. On a tous, pour la plupart, connu des expériences moins agréables que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec ces conséquences négatives-là toute notre vie. C'est pourquoi il est important de reprendre possession de nos sens et de notre plaisir. Et pour ça, il faut transformer l'expérience. Il existe plusieurs exercices pour éveiller et ouvrir le corps au plaisir pour se reconnecter. C'est précisément ce qu'on va faire dans le programme Monter au 7e ciel. Les portes vont ouvrir le 20 janvier prochain pour les inscriptions. D'ici là, demain, je vais vous parler de la question suivante. C'est est-ce que vous aimeriez faire la paix avec votre corps? Et votre rapport, votre relation avec le plaisir. En attendant, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation ainsi que le webinaire gratuit qui dure environ une quinzaine de minutes. Ça vaut la peine d'aller voir. Sous la vidéo, j'ai mis les liens. Ici. Moi, je vous dis à demain. Au revoir. Je vous aime. Et envoyez-moi vos questions, ça me fait toujours plaisir. Ciao!